السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم او بي اس ماروك، باش يوصلكم كل جديد وكل ما يخص بالتربيه البدنيه. ما عليكم غير تفعلوا الجرس، ومرحبا باي تعليق سواء مشجعه او اي استفسار، مرحبا بكم. واليوم غنقدم لكم كيسي ام عباره عن 25 سؤال خاص بكره اليد. كيسي ام دو 25 كيسيون دو هاند بال. لا كيسيون نيميرو 1، ensemble des actions d'exécution avec ou sans ballon. A. C'est un duel. B. C'est une stratégie. C. C'est la tactique. D. C'est la technique. 2. La question numéro 2. Duel, c'est un A. Organisation de jeu préétablie qui prend en compte l'équipe adverse. B. Ensemble des tactiques utilisées par le joueur au cours d'une rencontre. C. Affrontement direct entre deux adversaires. D. Qui se situait à l'intérieur du système défensif à l'inverse des joueurs autour. La question numéro 3. Le joueur situé en avant du porteur de ballon est en A. Soutien. B. Appui. C. Appel de balle. D. Défense de zone. La question numéro 4. La forme générale d'organisation des actions offensives et défensives des joueurs, c'est A. Le système de jeu. B. Le dispositif. C. Le schéma tactique. D. Le schéma technique. La question numéro 5. Un ensemble des tactiques utilisées par le joueur au cours d'une rencontre, c'est A. La stratégie individuelle. B. La tactique. C. La technique. D. Tactique individuelle. La question numéro 6. Une organisation de jeu préétablie qui prend en compte, l'équipe adverse, c'est A. Une tactique collective. B. Une stratégie. C. Un duel. D. Une technique. La question numéro 7. Un positionnement de référence des joueurs attaque ou défense. Lorsque le demi-centre est en position du bal du milieu du terrain vers le but, c'est A. Un schéma technique. B. Une entraide. C. Un dispositif. D. Un système de jeu. La question numéro 8. Le placement non aligné des joueurs d'une même équipe sur un plan sagittal en profondeur, appui et soutien, c'est A. Un écartement. B. Un décalage. C. Une induction. D. Un étagement. La question numéro 9. Un joueur situé en arrière du porteur de balle. A. Défense de zone. B. Appui. C. Appel de balle. D. Soutien. La question numéro 10. Un joueur dans l'espace de jeu se situait dans le système défensif adverse à proximité de la surface de but. A. C'est un pivot. B. C'est l'arrière gauche. C. C'est l'aile droite. D. C'est l'arrière central. La question numéro 11. Jouer dans un espace non protégé par le bloc défensif adverse, c'est A. Bloquer. B. Contourner. C. Changer de secteur. D. Contrôler. La question numéro 12. Transmission directe de la balle par le gardien de but
dans le dos du repli défensif pour mettre le partenaire en situation de duel avec le gardien de but C. A. Créer le surnombre. B. Le changement de secteur. C. La contre-attaque. D. Le couloir de circulation. La question numéro 13. Action qui consiste à faire opposition à un tir avec les bras ou une partie du corps en se plaçant sur la trajectoire de balle. C. A. Contrôler. B. Contourner. C. Déborder. D. Contrer. La question numéro 14. Combinaison qui consiste à un changement de secteur par le porteur de balle pour perturber le système défensif et libérer son secteur de jeu pour son partenaire C. A. Croiser. B. Déborder. C. Contourner. D. Contrôler. La question numéro 15. Action défensive en direction d'un attaquant pour l'empêcher de recevoir la balle. C. A. Déborder. B. Dissuader. C. Écartement. D. Croiser. La question numéro 16. Action visant à occuper la plus grande largeur possible du terrain par le placement des joueurs et la circulation de la balle. C. A. Dissuader. B. Déborder. C. Écartement. D. Croiser. La question numéro 17. S'organiser défensivement pour repousser la balle vers les ailes. C. A. Croiser. B. Déborder. C. Écarter. D. Excentrer. La question numéro 18. Action défensive de l'adversaire direct du porteur de balle pour le perturber et le gêner dans sa progression vers le but C. A. Harceler. B. Fixer. C. Glisser. D. Intercepter. La question numéro 19. Agir sur la trajectoire de balle pour se l'approprier. C. A. Intercepter. B. Lober. C. Neutraliser. D. Permuter. La question numéro 20. Déplacement défensif latéral dans le sens de la circulation de balle. C. A. Un flottement. B. Une fixation. C. Un encerclement. D. Un croisement. La question numéro 21. Action défensive qui permet d'arrêter le porteur de balle en lui interdisant tout débordement et toute transmission. C. A. Neutraliser. B. Pénétrer. C. Permuter. D. Protéger. La question numéro 22. Déplacement respectif de deux joueurs qui changent d'espace d'attaque ou de poste. C. A. Permuter. B. Pénétrer. C. Neutraliser. D. Presser. La question numéro 23. Action défensive qui se déroule au contact du porteur de balle pour le contraindre à prendre une décision rapide et de jouer hâtivement. C. A. Presser. B. Neutralise. C. Harceler. D. Fixer. La question numéro 24.
action qui consiste à enlever la balle de la main de l'attaquant en gardant la main ouverte sans frapper la balle. C. A. Subtiliser. B. Stopper. C. Se démarquer. D. S'engager. La question numéro 25. Système qui privilégie la couverture de l'espace et les déplacements par rapport au trajet du ballon. Orientation privilégiée de chaque joueur côté ballon. C. A. La défense de zone. B. La défense homme à homme. C. La défense mixte. D. La défense homme à homme strict. Et merci pour votre attention.